Je suis enfermé dans cette pièce et la clé est à l'intérieur de cette boîte dans un joint incassable recouvert par plusieurs matériaux. Pour commencer, on a une chaîne d'acier avec un cadenas entouré d'une corde d'alpiniste pour monter l'Everest. Ensuite, on a du bois bien solide. Ensuite, un bloc de béton bien vénère. Et juste derrière, beaucoup de papier bulle pour protéger un cube en verre incassable. Si tu mets plus de 60 minutes à sortir, alors tu devras rester 50 heures dans cette pièce toute blanche. Non. Je vais pas rester ici 50 heures, c'est mort dans la pièce blanche. Donc on va faire ça en moins de 60 minutes, c'est parti. J'ai aucune arme. Je fais ça à main nue. Faut que tu m'aides à trouver des solutions là. Putain. Dites-vous, on l'a fait hier ensemble et je me suis dit, oh, ce sera pas assez résistant, ça va être trop facile. Je regrette. Tiens, vas-y, Pio, vas-y. Essaye vite fait pour voir. Pour leur montrer quand même, parce qu'ils vont croire que je suis un youtubeur qui fait de la comédie là. Ok, t'abandonnes. Vous voyez, il y a des boîtes sur les murs. Et dans ces boîtes, il y a des armes que je vais pouvoir utiliser. Par contre, je sais pas il y a quoi comme arme à l'intérieur. C'est Pio qui les a mises. Et je vais devoir en choisir une au hasard à chaque fois. Et n'importe quelle arme que j'ai, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je vais devoir la garder jusqu'à entendre cette alarme. Et ensuite, je pourrai changer d'arme. En premier, je choisis celui-là. Oh ouais, là, j'ai eu de la chance là. Oh putain, ça marche bien ça. Putain, c'est un cassable de ouf. Ah oui, avant de faire toutes ces bêtises, j'allais complètement oublier. Hop, petite lunette de sécurité. Parce que les gars, ça serait con d'être aveugle juste pour une vidéo de con. Avec une paire de gants. Merde, c'est où ça? C'est pas l'inverse de base? Bah si, oui. Je suis con. Putain, je vais même pas mettre des gants. Même petite musique douce pendant ce moment-là, franchement. Mais là, tout de suite, on va passer au rock'n'roll dans 3, 2, 1... Putain, mais c'est dingue, comment ils font les cambrioleurs? Voilà. Attends, mais j'ai quand même envie de casser la chaîne parce que là, regarde, la chaîne elle est pas cassée. Hein. Elle s'est juste enlevée de la boîte. Hein. Moi je veux casser la chaîne, moi. Comme ce que je vais faire cette année, je vais casser ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous à cette chaîne. C'est impossible. Oh putain, je vois plus rien dans mon masque. J'ai de l'abus de ouf. Ça c'était la table. Je suis déjà en sueur dans la pièce, il fait trop chaud. Si je la casse vraiment, ça veut dire que ma chaîne YouTube va exploser cette année. Enfin 2025, parce qu'il reste pas beaucoup de temps pour cette année sinon. Merde. Ah presque. Putain mais il est épais ce bois. Ce B. Putain mais je vise même pas bien. C'est impossible. Pourquoi on fait que tourner autour de la table? Ok, il me reste 10 minutes avec. Faut que je fasse le taf parce que derrière il y a le béton. Donc si la prochaine arme c'est de la merde, je suis dans la merde. Regarde pas loin, hein. Regarde. Franchement j'étais pas loin. T'as vu? J'étais pas loin de la casser là. Tu sais quoi, dans la vie il faut jamais abandonner. Je vais réussir à la casser. Regarde bien. Putain, je vis toujours à côté. Non mais regarde, c'est bon, je l'ai cassé en deux, regarde. Elle est en deux là. Regarde là, et là, il y a un espace. Ouais. C'est bon? C'est validé du coup. Là maintenant, c'est le moment de s'amuser. Mais wesh! Elle est incroyable! Sans, ça pue déjà. C'est quoi cette corde de fou? Oh putain de merde! Oh! J'ai failli le mettre à la gueule! Regarde là, ça va faire mal là. A savoir, il y a des vues, je mets de la cire blanche. Quand je transpire, c'est, de la... bah, c'est du blanc qui coule. Ça fait grave dégueulasse pour les gens qui comprennent pas que c'est de la cire blanche. Ah ça servait à rien. Ah ouais, comme ça. Oh putain. Putain. Regardez, on voit le béton. Oh putain. Le temps pour l'instant que j'ai mis juste pour du bois. Je vous jure que là, on a l'impression que je fais exprès et que j'avance pas et tout. C'est super physique. Non. Voici le temps qui me reste pour ne pas rester enfermé dans cette pièce blanche, mais je vous jure, il fait super chaud, je suis de malade, et surtout, c'est pas évident. En fait, le bois, vu qu'il est recouvert avec du béton... Ouais, j'arrête de parler, on n'a pas beaucoup de temps. Ok, allez, ça je le range, du coup, je pourrais le reprendre après. J'aurai seulement le droit de le reprendre quand j'aurai ouvert toutes les armes. Moi, me tente bien, elle, là, regarde, je vais lui mettre un revers, là. Bam! Oh oui, bébé! Oh, j'ai trop de chance. J'ai une hache. Oh, ça va faire mal, ça. Voilà! Voilà!
je comprends les lunettes. À quoi elles servent? Oh, regarde, regarde la ficelle, c'est sûr, je vais la défoncer. Ouais! Je deviens complètement cinglé. Oh putain, il a failli partir le truc. Oh, oh oui? Il a failli partir? T'imagines? Je te tue, je pense, là. Ah oui, oui, la jette. Voilà! Oh là là! Oh putain! Ok, bon, on enlève le bois et après on réfléchit à comment on va faire pour le béton. Voilà, bébé! Oh putain, je resterai pas 50 heures ici, c'est mort. On dirait que je viens de trouver un trésor, t'as vu? Oh, il y a un message. Bah, il y a marqué quoi, là? Bah, abonne-toi avec un petit cœur. Ce serait pas le moment de s'abonner, c'est pas super mignon, ça, franchement. Oui, parce que comme je vous l'ai dit, c'est nous, hier, on a fait tout ça. On a bien galéré. J'avais jamais fait de ciment de ma vie. C'est une galère. Putain, il est balèze, hein. Ok. Attends. Avant de m'attaquer à ça, j'ai besoin d'une petite pause, là. Ça se voit que je suis, là, non? Regardez ici, on voit quoi? Il y a bientôt le plastique. Une fois qu'on aura cassé ce béton, on sera pas mal. Non. Allez, moi, faut que je me repose aussi. Ok, très bien. Je repose ça. Regarde ce que je vais prendre. C'est le masque qu'il va choisir. Il est rentré dedans. Alors, je sais pas si on commence par le pire ou le moins pire. Ou le moins pire des pires. Premièrement, un airsoft. Très bien. Ensuite, une batte de baseball en plastique. Ah, ça fait quand même mal. Vas-y, dis-moi quand t'es prêt. C'est parti. Ok, en premier, on va commencer par ça. Oh putain, j'ai eu peur. Putain. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Ah, elle t'a touché? Elle m'a touché, elle t'a touché, toi et moi. Bon, en vrai, franchement, ça... ça sert un peu à rien, et ça? Putain. C'est la batte qui est en train de se détruire. Regarde la gueule de ma batte. C'est un peu la même forme. Et si j'ai fait ce concept, c'est parce que je sais que vous adorez les jouets incassables. Quand je fais des shorts ou même TikTok, vous adorez ça. J'ai voulu absolument faire un format long avec les jouets incassables. Et quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, c'est génial, il faut faire ça. Vous me voyez galérer à casser un jouet incassable, alors imaginez avec tout ça en plus. En vrai, est-ce que j'essaie de le casser, ok? Premier degré, premier dogs. En fait... Juste au cas où, pour ceux qui n'ont pas vu, regardez un extrait de mes shorts où je fais 1000 trucs et il se casse pas, et là juste j'ai fait ça, il s'est cassé. Je vais tenter de casser ce jouet incassable. Oh, il a rien! Mais est-ce qu'il va survivre à la prochaine étape? À la mitraillette? Let's go! Il est encore en vie! Putain, je suis deg, sa mère. Oh, j'en ai partout. Je transpire, en plus ça a collé sur mon dos. Bizarrement, le temps il passe pas avec ça. Hein. Bon, moi je pense qu'on va faire, c'est qu'on va réessayer un petit coup de pistolet. Je pense que ça peut bien marcher, ça, en vrai. Putain, mais fais chier! Très long en ce moment. Ah. Oh, 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 oh! Ah, il y en avait deux! Pardon. Attention, ce n'est pas une vraie arme! Non, non! Non, mais j'explique aux gens! Ce n'est... Au cas où, si vous savez pas, c'est pas une vraie arme, ok? Et en plus, on est protégé. Faites pas n'importe quoi avec ça, vous pouvez vous crever un œil. Waouh! Otto! Non! Non! Il n'avait plus. T'as vu comment je suis fort? Oh! C'était trop stylé, j'ai vu comme dans les films d'action. Où genre en mode, ils savent qu'il n'y en a plus à la fin, ils connaissent par cœur leur chargeur. Et j'ai même pas compté, je vous jure que c'est vrai. Regarde tellement que je suis serein. Oh, j'ai peur! Oh, ça fait trop peur! Oh putain! Je m'occupe de la batte maintenant. Et moi ça, mon pote! Putain. Oh, il y a une mini batte à l'intérieur. Trop stylé, il y a une petite batte dans la batte.
D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi si vous aimez bien. Parce que là, on a été un peu, on va dire, un peu soft. Mais dites-vous qu'on peut aller plus loin, faire la même chose. Mais on peut encore mettre plus de matériaux et que le truc soit énorme. Genre, limite, il fasse la pièce. Genre. J'abuse. Mais vraiment, ça peut aller plus loin. Si vous kiffez, dites-le moi dans les commentaires. Parce que je trouve que vous êtes pas beaucoup bavard dans les commentaires à chaque fois. Je lis tous les commentaires à chaque fois et je réponds à tous les commentaires pratiquement. À part quand c'est en mode. Sinon, je réponds. Ça me soutient, ça montre que vous êtes là. Et moi, le soir, dans mon lit, tout seul, bah, je lis vos commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis trop en mode mise pour mes degrés là. Vas-y, ça sert à rien ça, ça m'a saoulé. Par contre, faut se dépêcher parce que là, comme vous voyez au timer, ça fait 40 minutes que j'ai déjà commencé ce challenge et il me reste un bloc de ciment. Et après le bloc de ciment, il y a beaucoup de papier bulle, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, il y a le cube en verre qui est soi-disant incassable. Mais ça, j'y crois absolument pas. On va le défoncer. J'aimerais tellement qu'il sorte et qu'il aille dans ta gueule, Pio. Bah, je pense qu'on va faire une FAQ en attendant. Vas-y, pose-moi la question, Pio. Dormir ici ? Non, j'ai pas envie de dormir ici. 50 heures en plus, 50 heures, c'est l'équivalent de... C'est 3 jours, en fait. C'est 2 nuits. Déjà, il y a un peu de couleur, c'est cool. Je suis avec Pio. Donc rester 50 heures enfermé ici, j'avoue, ça me ferait super chier, c'est trop chiant. Dans ma vie, j'aurais perdu 50 heures pour rien. Après, ça peut être cool. Ça peut être un peu de la thérapie, je vais réfléchir sur ma vie, je vais réfléchir un peu à tout, tu vois. En fait, là, vous me dites, ouais, mais arrête de parler, continue. Je ne peux rien faire avec ça. C'est du béton. Tout ce que je vais faire, c'est juste enlever quelques petits bouts, là. Ah oui, bébé. Ok. Allez, c'est en dégâts. Il en reste deux. Il reste celui-là et celui-ci. Lequel je vais choisir? Alors, pour moi... Ouais. Vraiment, prendre ça, c'est fini. La vidéo, c'est là. Eh ben non, justement. Tu me dis d'aller là, ben moi, je vais aller là. Non. Si, si, regarde. Ah non. Je vais t'écouter. Là-bas. Regarde, regarde. Ouh. Espèce de gros bâtard. T'as cru que j'étais Rocky Balboa ou quoi? Du coup, je vais réussir à péter du béton avec les mains? J'ai même pas envie de réagir. Et là, il y a un mec qui me voit, il me recrute, il se dit lui, c'est un futur boxeur professionnel. Tiens. Ah, si, ça fait super mal, je sens, c'est comme si j'avais pas de gants vraiment ce que je fais là, j'abuse. J'abuse de ouf. Ça fait 50 minutes là? Oui. Il me reste 10 minutes, donc ça veut dire que vraiment une fois que je change d'arme, là-dedans, si c'est un truc de fou, je peux peut-être m'en sortir. Ah! Il n'y a pas de protection, j'ai tapé là. Là, 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 là. Dans le... Ah, putain, sale connard. Oh! Regarde la cassure que j'ai fait. Digne d'un film. Putain, je suis fort en vrai. J'ai pas mal. J'ai pas mal. J'ai super mal. Oh, regarde. Regarde la cassure que j'ai fait, mon gars. Après, ça se voit que le béton, il est pas si dur que ça. Ça se voit qu'on l'a fait hier, du coup, il a pas eu le temps de bien sécher. Là, vraiment, on dirait digne d'un film américain où le mec, en fait, il se découvre une force surhumaine. Je sens mon cœur dans mes mains. Elles font pas. Laisse-moi là, je reprends de l'énergie là. L'énergie de ouf. J'arrête. Regarde mes doigts. Mais ils sont rouges. Ah putain, regarde comment je saigne un peu. Là, les gants ils pillent à mort. Je vous jure, ça va faire gagner les gants après. Oh. Oh oui, bébé. Oh oui. Allez, on se dépêche. On refoule les gants là. Là, il nous reste pas beaucoup de temps. Voici le timer, il en est où? Et je crois que c'est bientôt la merde là. Non, non, non. Eh, tu sais quoi? On n'est pas là pour s'amuser. Hein. Putain de merde. Waouh. On arrive, putain, on dirait un trésor, j'adore, c'est incroyable. Oh, pardon. On a plus de béton déjà. Là, il nous reste juste ça, là. Putain, faut que je me dépêche, sa mère. Là, ça va jouer à la minute pile, là. Putain, j'ai perdu le truc pointu, là. Oh.
Putain, c'est impossible, je vais jamais finir. 3, 2, 1. Non ! Eh oui, bah oui. Putain, j'avais presque fini. Il est là, il est là. Bon, déjà, ce qu'on sait premièrement, c'est que je vais devoir rester enfermé dans la pièce blanche. Moi, je pense que c'est pas beaucoup et que ça va le faire, premièrement. Deuxièmement, on est arrivé à la fin. Donc là, il manque plus qu'à péter ce verre et après casser le joint incassable, récupérer la clé et sortir. Une bonne fois pour toutes. Par contre, là, attention, mesdames, messieurs, je vais devoir mettre les lunettes de sécurité. Monsieur, là, je pense qu'il y aura de la casse. Il paraît qu'il est résistant. On va y aller directement avec ça, alors. 3, 2, 1. Incassable mon cul. Putain, on y est. Regardez, celui-là, tu peux faire ça. Il casse pas. Ça, c'est vraiment incassable, mon gars. Par contre, toi, t'es mort. On va pas parler pendant des heures et des heures. Putain, il est résistant de fou. Ok, c'est très bien, je vais prendre quoi? Regardez bien. Ah, allez, c'est fini pour toi. Il y a où la clé? Attends, j'en peux plus. Oh! Let's go! Je suis de fou, pas toi? Regarde la transpiration de fou. Bon, merci d'avoir suivi la vidéo. La semaine prochaine, du coup, 50 heures enfermées dans une pièce blanche, ça sort. Donc abonnez-vous pour pas rater cette vidéo. Ça sort jeudi à 17h30. Bisous.